De culture. On vous parle aujourd'hui de cinéma en compagnie de Thomas Borès. Bonjour Thomas. Bonjour Elisabeth. Avant de jeter un œil aux sorties de cette semaine, on va vous parler de cette disparition. Tout d'abord, il était l'un des grands maîtres de la guitare flamenco, Paco de Lucía, qui a été victime d'un infarctus sur une plage du Mexique où il passait ses vacances. Il laisse derrière lui le souvenir d'un génie virtuose qui aura su renouveler le genre traditionnel. Son portrait tout de suite avec Nenayem. C'était en 1976, Paco de Lucía joue Entre dos Aguas, un morceau devenu incontournable en Espagne. Le guitariste de flamenco a été victime d'une crise cardiaque ce mardi. Mondialement connu, Francisco Sánchez Gómez, de son vrai nom, est né en 1947 en Andalousie. Tout au long de sa carrière, il a su moderniser le flamenco traditionnel en l'associant au jazz, comme ici sur scène avec le guitariste Aldi Meola. Et comme l'écrit le journal espagnol El País, ses compositions sont un miroir dans lequel se regardent les grandes étoiles de la guitare. Voilà, le flamenco qui s'illustre également hein, au cinéma sur grand écran. Thomas Borès, bonjour. Bonjour Elisabeth. On s'intéresse ensemble aux sorties de la semaine. On va commencer avec The Grand Budapest Hotel, dont on a déjà parlé, hein, de Wes Anderson, grand prix du jury du dernier festival de Berlin. C'est votre coup de cœur ? C'est une coup de cœur, c'est une très belle surprise. Wes Anderson, cinéaste américain, très dandy, hein, qui avait fait La Vie aquatique ou plus récemment Moonrise Kingdom. Alors The Grand Budapest Hotel se passe exclusivement dans un hôtel prestigieux, très Beatles au repas, coincé entre deux guerres mondiales, hein, nous sommes dans les années 30, et on va suivre. Alors, c'est très dur à résumer, mais en deux mots, on peut dire que c'est l'histoire du concierge, du lieu et du groom qui vont essayer de préserver un petit peu le prestige de cet endroit menacé par les héritiers. Alors, c'est porté par un casting incroyable, Ralph Fiennes, Bill Murray, Tilda Swinton, le tout sous l'égide de l'écrivain Stefan Zweig, rien que ça. You can't arrest him simply because he's a bloody immigrant. Oh, take your hands off my lobby boy! Have you ever been questioned by the authorities? Yes, on one occasion. What? I was arrested and tortured by the rebel militia after the desert uprising. Right. Well, you know the drill then. Zip it. Alors on le voit sur ces images, Wes Anderson est très fidèle un petit peu au genre et à son cinéma, très coloré, très virevoltant, et il l'assume complètement. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont un peu lassés finalement de son style toujours un peu redondant, mais là il l'assume complètement. C'est un peu comme s'il avait réuni en un seul tous ses films pour faire une joyeuse fête de l'esprit, voilà. Et c'est incroyable, parfois ça ressemble à un cartoon complètement, sauf que c'est tourné en images réelles, c'est totalement inédit et c'est juste grandiose. Voilà, à l'ancienne, on a envie de dire. Voilà. On va prendre après un grand bol d'air avec Terre des ours, une immersion totale dans le quotidien de ces animaux sauvages, un film tourné dans les étendues de la Sibérie. Absolument. Alors, c'est réalisé par un Français, Guillaume Vincent. Il a passé des semaines, que dis-je, des mois avec les ours. Alors, il faut savoir que les ours, Elisabeth, ils hibernent pendant 8 mois. Ils sont très agressifs avec leurs congénères. Ils passent leur temps à manger du saumon. Alors voilà, c'est un idéal de vie un peu particulier qui est raconté ici par ça Marion. Ça vous fait rêver, c'est ça? Non, pas du tout, c'est un peu de l'ironie. En tout cas, ce qui me fait plus rêver, c'est que c'est raconté par Marion Cotillard qui prête ici sa voix. C'est ici la narratrice. Disons aussi que c'est le premier documentaire animalier réalisé en 3 dimensions. Le type a travaillé, le réalisateur a travaillé avec l'équipe de James Cameron. Et justement, on l'a reçu, nous, ici à France 24, et il nous raconte... Bah, comment il a fait pour s'approcher au plus près de ces ours? On a l'impression d'être très près, c'est qu'on est très près. On était très près parce qu'on a fait le choix du haut relief, mais qui se ressentent totalement en 2D aussi, de ne pas avoir de longue focale, pas de téléobjectif, rien. Donc pour aller chercher très loin le gros plan sur la pipouille de l'ours, ce n'était pas notre truc. Au contraire, on voulait un rapport qui soit comme l'œil humain. Voilà, vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview aujourd'hui dès 17h30. Alors que les Oscars approchent à grands pas, hein, on va s'intéresser à... Un été à Osage County. Voilà, Osage County de John Wells avec Julia Roberts et surtout Meryl Streep. Oui, qui pourrait obtenir un 3e Oscar dans toute sa carrière pour ce rôle. Alors il faut savoir que Meryl Streep, elle détient un record, c'est le nombre de nominations aux Oscars. 18, donc c'est assez incroyable. On a obtenu 2 hein, jusqu'ici pour Le Choix de Sophie. Et
pour la Dame de Fer. Et là, donc, elle pourrait obtenir un troisième, je le disais. Et en tout cas, elle a mis le paquet hein, pour la voix, parce qu'elle joue ici une espèce de femme alcoolique, atteinte d'un cancer, qui, le temps d'une réunion de famille, va dézinguer à tout va tous les membres de sa famille, joué notamment par Julia Roberts. Donc c'est vraiment un rôle où on frise la caricature. Alors ça pourrait être un défaut, sauf qu'aux Oscars, on sait que la caricature, ils aiment bien ça, la performance. Voilà. Alors Meryl Streep, malgré sa carrière prestigieuse, bah, semble toujours aussi émue que les votants des Oscars bah, aient pensé à elle, on l'écoute nous raconter cette émotion. Ça me bouleverse, parce qu'ils ont toutes les raisons d'être fatigués de moi. Et ils ne le sont pas pourtant. Ils me donnent une chance encore une nouvelle fois. Et c'est ce qu'on attend des spectateurs aussi. Alors oubliez le diable qui s'habille en Prada, oubliez tout. Là, je suis Violette. Voilà, on suivra évidemment la cérémonie des Oscars. Merci beaucoup Thomas Borez, merci pour cette actualité ciné. On poursuit tout de suite avec le sport, on vous parle de foot mais aussi de...